Dernière consigne pour les surveillants du SAL avant le démarrage de l'examen. Les candidats retardataires, eux, peinent encore à retrouver leur salle. Le silence est pesant dans les salles de composition pour les plus ponctuels. L'atmosphère oscille entre stress et assurance. Là, on est à quelques minutes du lancement de l'épreuve. Stressé, peur ? Juste un peu, mais ça va. On est confiant. Ça va. C'est pas, je suis pas stressé. Bon, je suis prêt. Bon, j'attends les épreuves pour commencer. Pas de peur, quoi. On espère que ça va bien se passer. Répartis en 12 centres de composition, ils sont un peu plus de 6000 sur toute l'étendue du territoire national à la conquête du BTS, premier grade professionnel. Nous avons 6187 candidats qui composent actuellement. Il y a 217 candidats qui ont conservé leur admissibilité. Donc au total, nous avons 6404 candidats pour le BTS de 2016. On peut reconnaître qu'il y a une légère baisse par rapport au taux de cette année, environ 300. Mais cette légère diminution peut être due, je le dis bien, à la préférence des candidats d'aller directement à la licence professionnelle. 8h30, après le cérémonial, le ministre de l'Enseignement supérieur lance les épreuves d'un examen professionnel qu'elle veut de qualité. J'encourage tous les candidats et candidates à bien travailler et à toute l'équipe de supervision, de correction et de surveillance de jouer leur partition pour que le BTS 2016 soit un BTS de qualité, parce que nous sommes dans l'ère de la qualité, beaucoup d'accent sur la formation de qualité. Et je profite pour demander aux établissements privés d'accorder une attention particulière à la formation des candidats et des candidates, parce que nous allons faire des contrôles et ceux qui ne répondraient pas aux normes et qui ne répondraient pas aux normes de qualité, aussi bien au niveau de la formation, des curricula de formation que des enseignants, auront des comptes à rendre à l'État béninois. Pour cette première épreuve en TEO, synthèse, objectivité et concision sont attendus des candidats, toutes filières confondues. Le top est donné. Le génie de ces candidats peut désormais s'exprimer.